Bonjour à tous et bienvenue donc dans une un tout nouveau module de Cinéfest. Je ne sais plus comment un module spatial. On appelle ça. Une sortie de projo. Une sortie de mission. Vous le savez, maintenant Cinéfest c'est une émission audio, mais de temps en temps on décide de parler d'un film qu'on a envie d'un peu de partager avec vous notre avis. Et cette fois-ci, on va parler de Gravity. Alors, ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu sur le site de YouTube, hein, qui a un peu été déserté par Cinefuzz. Mais bon, il y a Tokuscope et Bacchus qui continuent, donc c'est pas très grave. Mais surtout Bacchus. Surtout Bacchus. Ouais. Mais non, tu devais défendre Tokuscope. Non, parce que Bacchus. Parce que c'est plus lui qui monte Tokuscope, donc là, il s'en fout. Parce que Philippe tient un rythme industriel hallucinant. Et va nous heureusement, parce que sinon c'est la mode de paille qui passe. Hein. Et il va nous demander de renommer le nom de la chaîne. Ouais, c'est ça, bah, c'est le but en fait. On va appeler ça AnimZone. Grave, eh, ça serait classe. Hein. En attendant, AnimaFuzz. Il y a déjà 10 bacas de prévu. Ouais. On retourne la semaine prochaine. Alors, Tokuscope, le but de Tokuscope, c'est de nous emmener au tribunal en fait. Ouais. À côté de Bernard Tapie. Il y a des problèmes de droit à chaque Tokuscope. C'est pas vrai. On va se retrouver en prison. Mais pas, sinon, tout va bien. Pas dans la prochaine, ça va. Non, ouais. On pourra faire un remake du Prophète. Mais... Tiens, vous êtes bien. Bref, t'as fait quoi? Bah, j'ai fait un série qui s'appelle Tokuscope. J'en suis. Plein de trucs d'asiatiques. Les mecs, ils pèlent pas trop. Bref, on parlait de Gravity, hein, du coup. Bah, Gravity, pourquoi? Parce que c'est le film événement de cette fin d'année. Que tout le monde en parle depuis des lustres et des lustres et des lustres, c'est carrément tout le monde parle de révolution du cinéma. Enfin, c'est ça faisait longtemps c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu autant de gens crier au chef-d'œuvre avant d'avoir vu le film, après avoir vu le film, ouais. C'est plus que du chef-d'œuvre. Hein, ouais, depuis autant n'importe le vent, quoi. Depuis l'entrée en gare du train de la Ciotat, ouais, on n'a jamais vu ça. Mais quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est un train. Et là, c'est pareil. Non, mais alors c'est sans rabais. Ah oui, alors, la comédie, c'est un truc de fou. Mais bref, non, mais c'est vrai que c'est un film qui avait beaucoup d'attentes. Je trouve que c'était un projet un peu secret, on savait pas trop. Del Toro, qui est un ami d'Alfonso Cuarón, c'est un peu le trio mexicain avec Iñárritu. C'est un peu, il disait oui. Alors c'est un film. Il a été voir James Cameron. Il lui en a parlé avec lui. Et James Cameron lui a dit c'est impossible de faire ça. David Fincher. Tu as 10 ans d'avance. On pourra faire ça dans 10 ans, mais pas maintenant. Et Cuarón l'a fait et ils ont réussi. Donc après, on sait que Del Toro, il est en phase pas possible. Voilà, il faudrait. Moi, je pense que Del Toro, mon mariage, faudrait qu'il écrive un mot pour moi, tu vois. Parce qu'il me dirait des trucs formidables, quoi. Oui, mais tu sais, avec le cul qu'il a, il y aurait la pièce montée qui prendrait feu, un truc comme ça. Totalement. Mais bon, bref. On pouvait quand même s'attendre à quelque chose. En tout cas, ça donnait envie. Surtout qu'on a été dans une année très SF, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et donc du coup, pour le meilleur et pour le pire. Et étonnamment, arrivé à Venise, le film est projeté et tout le monde dit c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un truc incroyable. Il a réussi à faire quelque chose de formidable. Alors un tout petit pour juste représenter quelques secondes un peu ce que c'est, enfin, un peu pour mettre un peu en avant les pions, un peu pour qu'on puisse débattre. Le film est important pour une grosse raison, c'est que d'une, ben c'est le nouveau film d'Alfonso Cuarón qui n'avait pas fait deux films depuis Les Fils de l'Homme, qui était déjà un gros chef-d'œuvre. Fils de l'homme qui avait déjà quand même poussé la technologie à un haut niveau, puisque c'était quasiment que des plans séquences de 10-15 minutes et qu'il y en avait des bijoux à l'intérieur. C'est ça. Et qu'on savait que dans ce film-là, il avait envie encore de pousser encore plus loin l'exercice, puisque là, le principe c'était de tourner donc un film qui se passe dans l'espace avec deux cosmonautes qui sont perdus dans l'espace. Donc à la base, ça devait être Angelina Jolie, Robert Downey Jr., finalement, c'est George Clooney et Sandra Bullock. Et du coup, donc perdus dans l'espace et donc avec une caméra qui n'a pas de gravité. Il pourrait aller n'importe où. Et cette idée-là, qui est un peu l'idée un peu phare du film, c'est un petit peu, c'est ça qui donnait envie en fait. Et évidemment, pour faire un petit peu ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé un peu toutes les nouvelles technologies qui étaient faisables, même des nouvelles technologies, donc, des nouvelles versions, qui étaient qu'en gros le film, on va dire 80% du film est totalement numérique. C'est-à-dire que c'est un film d'animation. C'est du photoréalisme, des visages qu'ils ont captés en train de jouer, et ensuite ils les ont mis dans les scaphandres, etc. Il n'y a que quelques scènes, y compris certaines scènes de fin, qui sont tournées en pellicule d'ailleurs. Et l'Oscar des meilleurs effets spéciaux est attribué à Gravity. Pour ça, on sait déjà. Oui, mais c'est tourné en péloche. Ouais, 65 mm. Voilà, le film, moi il y avait une peur, un film quand même avec ce film-là, c'était que les gens en font un peu trop.
Tu vois, oui. C'est-à-dire que l'unanimité du film en fait quelque chose d'un peu, tu vois, c'est compliqué de confronter son imaginaire avec le réel, même si parfois c'est très bien, parfois c'est compliqué. Ça fait un mois et demi qu'on entend sur les réseaux sociaux que moi je vois des gens qui font des poèmes, des posts de 500 lignes sur Gravity. Gravity, je t'ai dit oui. Gravity, je t'ai dit oui. Je t'aime. Gravity, il y a Christophe Lemaire, le fameux journaliste Christophe Lemaire, qui a lui a fait justement un poème parodique pour un peu se moquer de cette tendance-là. Genre, Georges Clooney, t'as pas de gros néné. Et je trouvais ça génial parce qu'à un moment donné, il faut réaliser que ça reste un film, que ce n'a pas été conçu par une entité extraterrestre cosmique pour venir à nous. C'est que c'est fait par Alfonso Cuarón. On peut confondre. C'était fait par Alfonso Cuarón, l'un des plus grands de son métier, mais faut, à un moment donné, faut arrêter. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est même pas un réalisateur ultra connu, ultra coté. Il y a Les Fils de l'Homme qui a cartonné, mais le prisonnier d'Azkaban, vous demandez d'Azkaban. D'Azkaban. Moi, j'ai Azkaban. Azkaban. Les gens, ils s'en foutent sur Alfonso Cuarón. Enfin, les fans d'Harry Potter s'en foutent. Oui, pour les gens comme moi qui n'aiment pas Harry Potter, le Prisonnier d'Azkaban, c'est un film. À part les amoureux du cinéma qui aiment son cinéma, oui, voilà, il avait fait deux films avant. Voilà. Les gens, il a fait d'autres, mais ouais, il a fait la petite princesse. Ah oui, c'est vrai. Tout m'a tendu. Il en a fait un autre qui était pas mal. C'est... Avec Ethan Hawke, là. Les Grandes Espérances. Il avait fait Les Grandes Espérances. T'as vu qui a fait ça. Et tout m'a tendu bien. C'est génial. Et du coup, en fait, Gravity aurait pu être produit par quelqu'un d'autre. L'important là, je crois que c'est le résultat. Et puis, bien sûr, il y a les guests qui mais sont là. Mais ça vaut parce que c'est un vrai exercice et un vrai effort qui tient au chef-op de Cuarón et à Cuarón lui-même. Emmanuel Lubezki. Grand monsieur. Et du coup, non. Disons qu'il a pris son exercice de style, il a dit je vais le pousser au maximum. En tout cas, c'est ça qui me faisait peur. Et au-delà de ça, parce que je sais, parce qu'on est dans un monde de réseaux sociaux où ça va tellement loin, où maintenant la moindre petite chose est tellement à des proportions qu'on ne peut plus regarder un film vraiment. Et là, moi, j'ai eu un peu ce souci avec ce film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit... Comment tu peux être vierge ? Je ne peux plus regarder le film. C'est-à-dire que du coup, je le vois le film et je me dis, merde, c'est un film. Tu vois ? Oui. Et je me dis, en fait, c'est un film. Pourquoi tu ne peux plus le prendre pour ce qu'il est, et tu dois le prendre pour l'aura que les gens lui attribuent, en fait. J'ai eu l'impression d'arriver et d'attendre de sentir un champ électromagnétique dans mes bras, quoi. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est que toi, justement, tu vis dans une grotte. C'est ça. Alors que moi, je ne lis jamais de critiques avant d'avoir vu un film. C'est mon concept. On n'a pas de critiques, on a juste été sur Twitter. Moi, on tombe dessus. Tu tombes, tu fais, merde... Bah écoute, pourtant je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, mais peut-être que je suis dans ma bulle, je sais pas. Je pense. Et que j'ai jamais vu, à part une ou deux fois, un mec qui dit oh, c'est génial, voilà. T'as une vie, c'est tout. Peut-être. j'en sais rien. Mais c'est pas, moi je suis allé avec ce qu'il y a de plus pur au cinéma. Je sais pas, il savait même pas que c'était en 3D il y a deux jours. Pour une fois. Il savait pas que c'était en 3D il y a deux jours, il me dit ah, c'est en 3D. Et moi j'avais juste vu une bande annonce et je me suis dit ah je veux plus rien voir de Gravity avant de le voir parce qu'effectivement il avait l'air de proposer plein de choses et je voulais rien, aucun mouvement de caméra spoiler, tu vois, c'est parce que pour moi les mouvements de caméra c'est le scénario, t'as pas besoin de scénario, t'as pas besoin de personnage, c'est la caméra qui est le personnage principal qui fait tout en fait, et c'est exactement ce qu'il a voulu. Effectivement sa caméra c'est même plus qu'elle est virevoltante, c'est que c'est un personnage qui vient dans la tête des personnages parfois, qui fait ce qu'il veut. Et voilà, donc on suit un objet filmique. C'est surtout ça, en fait, le film. Et donc, moi, je suis arrivé, je savais pas du tout que j'allais voir ça. Hein, je t'avoue, je savais que j'allais voir des plans séquences, peut-être, tiens, du 10-15 minutes, de temps en temps, par là, par-ci, par-là. Et en fait, non, c'est tout le temps comme ça. Et t'as une... pas une demi-heure, mais peut-être 20 minutes au début en plan séquence. Non, il y a 15 minutes. 15 minutes, ouais. C'est un truc de fou. Et voilà, c'est un truc de malade. Et ça t'immerge dans quelque chose que tu n'as jamais vu. Et clairement, quand tu ressors du film, t'as envie de replonger dans l'espace. T'as envie d'y retourner parce que tu y étais. Et la 3D, j'avoue qu'elle est extrêmement efficace. Ouais. Effectivement, tout le relief, tout ce qui est en apesanteur, enfin, tout marche. Et moi, le film, j'ai vraiment eu l'impression d'être au-dessus des nuages, hein, franchement, clairement. C'est un film, contrairement à certains abrutis qui ont comparé ça à 2001, l'Odyssée de l'espace ou Solaris... Mais des fois, il a des tendances comme ça, excuse-moi, mais Sandra Bullock en position fœtale, la nouille, hein. Oui, d'accord, mais tu ne compares pas un survival... C'est la meilleure critique que c'est un thriller spatial, c'est un survival, ok. Oui. C'est un truc qui est censé toujours durer une heure et demie, c'est pas un truc sur la découverte de l'univers, la vie cosmique et tout le délire, tu vois. C'est un film qui te demande d'être
ici et maintenant, en fait, tu vois, de ne pas anticiper ce qui va arriver. C'est, ouais, c'est un film qui te demande d'être, de piger l'intensité du réel, l'intensité qu'il veut mettre dans la scène dans le moment précis. Et si t'es pas dedans, et tu passes à côté du truc. Ah, c'était d'interpréter des trucs bizarres. Non, il y a rien à interpréter. De toute façon, un scénar comme ça, comme tu l'as dit, il ne se fait pas sur les mots, il se fait sur ce que le mec va mettre dans son image. Et c'est clair que les techniciens et les acteurs vont aller dans un projet comme ça, pas pour le scénar, mais pour la foi qu'ils vont mettre dans la oui, vision voilà, du réel. Eux, ils seront enchaînés, vas-y, fais voilà, faire ce que tu veux, c'est le principe. Quoi. Tu sais très bien qu'avec un mec comme ça, qui a un projet technique aussi fort, tu peux t'appeler George Clooney ou n'importe qui, tu vas pas dire non. Tu sais très bien que c'est un projet que quand tu vas voir ta filmo, tu vas dire ça. Pas, tu vois, il m'aurait mis, tu vois, je sais pas, Gérard Junio, Julien Belasco. Non, ça aurait marché. Gravity font du ski. Si, je serais allé le voir quand même, parce que je suis un mec hyper vert. Et sinon, mais bam, tu vois, mais c'est tout. Non, mais, bon, ouais, mais j'aime bien Gérard Junio. Oui, mais dans l'espace, bon. Sinon, voilà. C'est ma critique. Mon problème, c'est que je trouve que le film est d'une simplicité au niveau du scénario, oui, qui est plaisante, mais oui, qui du coup c'est pas simpliste, me surprend moins, par exemple, que m'a surpris Les Fils de l'Homme, qui pour oui, moi reste son chef-d'œuvre. Oui, mais pour moi, c'est... Les Fils de l'Homme, c'était de l'anticipation. Oui, mais c'est pas ça. C'est... Mais parce que j'étais surpris, Les Fils de l'Homme, je suis tombé sur le cul quand j'ai vu le film. Oui, parce qu'il y a de la thématique. Oui, voilà. Alors dans Gravity, il n'y a pas de... Gravity, c'est juste, je suis en haut et je veux survivre. Voilà. Et non, mais c'est un film de survivaloise. C'est un film de checkpoint. On avait parlé du Territoire des Loups, tu vois. Exactement. On avait parlé du Territoire des Loups, on en avait justement dit beaucoup de bien en vidéo et tout. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé ça. C'est-à-dire que voilà, c'est pareil, c'est l'histoire de quelqu'un qui perd un être cher et qui renaît en affrontant la nature. Et alors, le Territoire des Loups, c'était des loups et la neige, en gros, et là, c'est l'espace. Et en plus, à un moment donné, elle imite un chien. Oui, c'est ça. Non, moi, ce qui m'a le plus plu dans le film, curieusement, c'est pas forcément les scènes dans l'espace, c'est la scène où elle est justement dans le module. Non, moi, c'est ça. Où elle était. Ah non, à ça, j'ai adoré. Mais la fille où elle fait le chien. Non, le truc où elle est dans le module, il y a le truc qui prend feu, tout ça. Je me suis dit. Mais c'est. Oui, c'est un film techniquement impressionnant. Après, l'histoire, je te dirais, c'est bien. C'est pas juste impressionnant, Romain. C'est ça, comme Cameron l'aurait dit, du coup, ça te met 10 ans dans la gueule. C'est ça, ouais. C'est un film qui fait avancer le cinéma. Donc, en soi, déjà, que t'aimes pas le scénario ou quoi que ce soit, tu peux... Enfin, c'est pas juste beau, c'est que ça te montre autre chose. C'est nouveau. Oui, c'est une vision, c'est visionnaire. C'est nouveau, sauf que quand tu vois la... Enfin, oui, c'est... Non, pour moi, c'est pas nouveau, c'est un aboutissement de tous les films qui ont été faits en motion capture depuis 10 ans. C'est finalement ce qu'on a dans Avatar, dans Tintin et tout. La performance capture, oui, justement, oui. C'est ça, donc pour moi, c'est là où je suis pas ultra surpris non plus. C'est-à-dire que je trouve que c'est ouf parce qu'il est arrivé à un niveau encore plus loin. Peut-être que le pari de Cuaron, ça a été de dire non, mais les mecs, ils sauront plus ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Bah, excuse-moi, mais au final. Avatar ou Tintin, ils m'ont pas fait vivre une telle expérience. Ils m'ont fait vivre une aventure. Une belle aventure où j'ai été immergé. Là, j'ai eu l'impression d'être un cosmonaute. Parce que là tu... Là, c'est une expérience brute, quoi. Ce sont des épopées. Là, c'est un film... Je dis, c'est un film de sensation pure. C'est ça. Ça te demande d'être focalisé sur le maintenant, en fait. Donc, comme je te dis, si tu passes à côté de ça, tu rates l'expérience. Et le scénar sert... Tu sais, j'étais tellement à fond dans le film. Moi, d'habitude, je regarde tout le temps les plans, les... Le son, quoi. Oui, alors le son, il est complètement démentiel. Mais d'habitude, quand je regarde un film, des fois, je sors un petit peu me demandant comment il a fait ce plan, et ta. Là, dès le premier plan séquence, je me suis dit, c'est pas grave, je pars, je sais pas, je m'en fous. Et je me suis fait embarquer par cette caméra. Et clairement, c'est un truc, je crois pas qu'une fois on me l'ait fait au cinéma. Je crois pas. Hein. Je me rappelle pas qu'on me l'ait fait une seule fois. Mais moi je me place juste dans mon ressenti subjectif. J'y ressens plus de plaisir et d'émotion dans des épopées, justement, ce que tu dis, où il y a plus d'imaginaire. Oui, mais c'est pas un truc plus personnel. C'est mon avis, parce que je veux dire, pour moi, c'est. On est. Voilà, Lui, il a voulu goûter autre chose. Voilà, mais c'est très bien. Mais c'est pour ça que pour moi, ce film est un grand film. Mais c'est pas mon film, c'est pas ma. Je ne l'ai pas reçu dans mon cœur, quoi. Tu vois ? Oui, d'accord. Ok ? Vous avez compris ? Mais merde ! Non, parce que je ne veux pas qu'on me chie dessus après en me disant « Mais t'as rien compris ». Et ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste c'est bien que... Ce n'est pas ta carte du monde. Voilà. Mais c'est un super film. Et je vais le revoir, en plus, qu'il faut que je le revoie. Entre Elysium, surtout Star Trek et tous les trucs de SF bien brutaux qu'on a cette année-là,
de voir de la SF mais réaliste, enfin, c'est quand même assez intéressant. De dire que c'est pas des super-héros, c'est des mecs comme vous et moi. Bon, bien sûr qu'on a des heures d'entraînement derrière. Mais bon, voilà, il n'y a rien qui fait que George Clooney, par exemple, il va devenir le super-héros de pour Sandra Bullock. Ah bah non, bah écoute, je suis à court de gaz, donc je peux plus avancer. Ah bah voilà, ok. Il y a pas un super pouvoir qui va arriver. Enfin, ça fait du bien. C'est vraiment fort, quoi. Je trouve ça cool que dans la même année, on ait le space opéra fun à la Star Trek et le film de conditions spatiales réaliste comme Gravity. Mais encore une fois, c'est pas un film d'imaginaire, c'est vraiment un film de... C'est un film d'immersion. Voilà. D'immersion, voilà. Et de recherche. Limite, c'est un film catastrophe, plus... l'idée. Quoi. C'est peut-être là où je suis peut-être moins pris par le truc. C'est une question de préférence de genre. Alors que Les Fils de l'Homme, j'étais plus... Encore une fois, regardez Les Fils de l'Homme, les gens. Mais tu vois, ce film est un chef-d'œuvre en soi. Je trouve ça justement intéressant que cette application, l'application de cette technologie peut maintenant aller vers la mise en scène de situations réalistes plutôt que de développer un imaginaire. Je trouve ça intéressant parce qu'on dit on peut garder une situation réaliste, sauf que la liberté donnée par ces technologies te permet de vivre les événements d'une perspective nouvelle. On rentre dans le casque, on sort du casque, on reste en POV pendant 5 minutes sur la meuf qui tient le câble, et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet finalement une immersion humaine que la caméra ne peut pas te donner à la base. Ah, t'as le frisson. Voilà, le frisson de l'immersion. C'est pas croyable. Ouais. Mais c'est ce que disait Cameron quand il disait qu'il voulait. Il avait dit un jour, je vais vous faire un film intimiste en 3D. Bon, après, tu es intimiste, mais je vais vous faire un film intimiste en 3D pour vous. Parce que quand il y avait tous les détracteurs de son film sur Avatar, enfin, même avant Avatar, où il disait je vous ferai un film intimiste un jour pour vous montrer qu'on peut faire un film intimiste en 3D et que ça sert à quelque chose. Oui, je sais pas, imagine par exemple le même film. Après, ce qu'on appelle ça un film intimiste, quoi, mais oui. Avec un personnage qui est coincé dans un immeuble où il y a un incendie. Imagine justement. Un enfant qui est coincé dans des toilettes, par exemple. Oui, l'enfant qui est. Une heure et demie. Voilà. Non, mais imagine. La le caméra pendant les toilettes. Oui, voilà. C'est Gravity. Tu suis le chien, t'es tout. Non, mais c'est exactement ça. Sauf que c'est quelque chose qu'on connaît pas à nous. Et du coup, tu découvres. C'était une odyssée spatiale. Tu découvres. Ce que tu rêverais de voir, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a des millionnaires qui payent je sais pas combien de millions pour pouvoir aller juste là-haut 5 minutes et redescendre. J'ai l'impression que je l'ai vécu avec ce film. Oui, c'est ça. C'est ouf. J'ai même pas envie d'y aller juste pour voir ça. L'anecdote, c'est que Buzz Aldrin a critiqué le film en disant que c'était exactement ce que l'ascension dans l'espace, mais après Buzz Aldrin a aussi dit qu'il y avait des Transformers sur la Lune. Oui, alors. Donc au final. Non, alors s'il y a quelqu'un dont il ne faut pas, c'est quelqu'un dont il ne faut pas prendre l'opinion en compte, c'est Buzz Aldrin. Parce que le mec, il est complètement à côté de la plaque depuis 69, donc il faut arrêter le délire. Depuis qu'il est allé, il est vraiment vu les Transformers. Pression atmosphérique. De toute façon, c'est très bien qu'ils sont jamais allés sur la Lune, que c'était un plateau télé. Du coup, vous connaissez, là, je crois qu'on parle de tout au moins 40 minutes. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais non, parce que les autres. Mais c'est intéressant comme débat. C'est un film qui va donner des vocations. Alors, je sais pas si ça. Tu penses que les gens qui vont vouloir aller dans l'espace, ça va ça? Alors, ça, je sais pas. Mais non, qui va donner des vocations de cinéaste à beaucoup de gens. Et des vocations techniques, je crois qu'il y a des mecs qui font. Enfin, moi, ça me fait un petit peu peur de me dire bon, bah écoutez, on va les mettre dans une capsule, on va prendre leur. On va capturer leur jeu, puis après, je mettrai ma caméra où je veux, informatiquement. Ouais, enfin, c'est quand même le but de n'importe quel réalisateur depuis le début, c'est de pouvoir faire n'importe quoi avec sa caméra. Je sais pas, vraiment. Mais après, c'est une histoire. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'être honnête avec ma perception, mais en même temps, j'aimerais bien le revoir et dire ce que j'en pense aussi. C'est vrai que j'avais un doute et je voulais le revoir avant, mais j'ai pas eu le temps. C'est parce que pour la première fois, j'ai l'impression d'être le bobo de gauche. Non, mais toi, qui dit je n'ai pas senti l'émotion. Mais non, c'est l'inverse, tu vois. Je suis trop loin. Je suis encore plus dans l'imaginaire que Gravity. Mais c'est que Gravity me ramène. C'est vrai trop que j'ai vu un truc de Quaron où il parlait justement de l'espèce de perfection toujours de l'effet. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis que maintenant l'objectif, le challenge des grands cinéastes, c'est plus du tout la performance de l'acteur. C'est d'arriver à combiner justement cette performance avec l'effet spécial. Le plus poussé, mais pas forcément dans le côté démonstratif, mais dans le côté immersif, en fait, tu vois. Ce que fait Peter Jackson, même s'il reste dans un imaginaire très fort, je pense qu'il veut pousser quand même
au plus fort l'immersion dans les faits, quoi. Ouais. Je pense que les scènes avec le dragon dans le prochain Hobbit, je pense qu'on va avoir des trucs assez hallucinants. Mais tu vois, là, j'aurais peut-être plus de frissons. Mais peut-être parce que je préfère les dragons à Sandra Bullock. C'est possible. Hein. Parce que au final, le souffle chaud du dragon. Non, mais les explosions de navettes, etc. Mais ça, c'est super beau. De modules spatiaux. J'en voulais plus, quoi. C'est... Mais non, justement. Tu sais, j'étais un peu. T'en as pas plus dans la vraie vie, tu vois. Toi, tu voulais une guerre stellaire qui mais se passe. Mais toi, dans la vraie vie, t'arrives pas. T'as même pas ça déjà de base. Mais si, justement, la preuve, tu as ça. Si. Si un scénario, enfin, ça serait pas un scénario, si il se passait vraiment quelque chose comme ça dans, pour un, des vrais cosmonautes, je pense que ça se passerait comme ça, effectivement. Oui. Vraiment, c'est, tout est cohérent dans cet univers, c'est ça qui est ouf. Parce que j'ai pas l'impression que c'est un univers, c'est le nôtre. Parce que c'est le nôtre. Voilà. Ouais, non mais c'est bien que vous soyez... C'est le vôtre, c'est le nôtre. Non mais c'est un film de partage. Ouais. Non mais c'est intéressant, il faut le revoir, je pense. Ça, je serais intéressé d'avoir votre avis et de voir des gens, est-ce qu'il y a des gens qui sont moins dedans que d'autres. Parce que il y en a. Hein. Ah bon? Oui, il y en a. Mais parce qu'ils l'ont regardé en DivX. Non, mais regardez-le sur d'autres j'ai vu sur d'autres youtubeurs qui n'aimaient pas forcément le film ou qui, justement, ne pensent pas que le buzz est à la hauteur du film. Mais après, fasse trop, c'est bien possible. C'est bien possible. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas se faire manipuler par la pub et je pense qu'il faut. Ramener tout ce qu'il y a en soi en termes de trip pour aller dans le truc quoi. Et pas se dire ah non mais il va se passer ça après, non, soit juste dans le truc. Par contre juste un truc, n'attendez pas qu'il sorte en DVD parce qu'en DVD ça va vous faire chier, ça va être chiant. Faut aller voir au cinéma en 3D. Ce sera une prolongation. Le DVD sera surtout intéressant pour voir s'ils font des bons making-of, de voir comment ils font. Mais ce sera jamais l'expérience ciné, quoi. Ouais, et surtout s'il y en a qui le regardent dans DivX, mais franchement, c'est tombé, quoi. Non, mais ça ne sert à rien. Ah, si c'est la version québécoise, ça peut être intéressant. Va peut-être falloir des sables. Gravité. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne saurais pas quoi dire d'autre que... Pas pour le fait de télécharger, c'est juste que ça ne servira à rien. Non, allez juste voir des pixels pendant une heure et demie. Mais c'est la même chose que ça ne servait à rien d'aller voir... ça sert depuis longtemps. Je veux dire, les mecs qui ont téléchargé Avatar en DivX, je ne comprends pas. Mecs qui ont téléchargé Le Seigneur des Anneaux et The Hobbit en DivX, je ne comprends pas. Les mecs c'est toujours des films qui valent le coup. Les mecs qui ont téléchargé le QRC Potemkin à l'époque. C'est vrai. Celui qui a téléchargé Citizen Kane le premier. Nosferatu. Le film le plus téléchargé de 1922 quand ils ont brûlé les copies. C'est ça, non mais téléchargé partout. Hein. Et avec Casa à l'époque, ça marchait. Quoi. Attends, il y a des gens qui vont marquer. Putain, c'est vrai que Nosferatu a été téléchargé en 1922. Oui, par la radio. Ouais, c'est ça. Non, mais. En tout cas, voilà, c'est un film assez passionnant parce qu'il déclenche chez les gens. C'est agréable d'avoir voilà, ce type d'événement cinéma. Et d'habitude, c'est est-ce que ça sera le meilleur film de l'année pour vous? La meilleure expérience. Meilleure expérience. Le meilleur film, non, ça va être The Hobbit 2, mais la meilleure expérience, sûr. Je sais pas, je pense que objectivement, c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu cette année. Mais de manière purement objective, hein, je trouve. Oui, mais subjective, parce que le cinéma est un art subjectif. Oui, d'accord, mais subjectif. Je pense qu'il sera dans mon top 5. Tu mets pas Star Trek en premier. Mais non, Star Trek il sera en 5e. Star Trek il sera. Mais pas avant. Non, c'est pas possible parce que c'est pas du tout la même sensation. Star Trek, tu y vas, moi j'y vais pour voir du fun, j'y vais pour m'amuser. Ah, mais je ne demandais pas de comparer les deux. Tu vois, non, mais justement, c'est intéressant de sortir de l'imaginaire space opéra fun pour aller dans quelque chose. Le monument de space opéra, ça va être Albator. Ça c'est ton film numéro 1. Que le film soit une merde ou non, quoi. Non, je lui dis, Albator, il peut faire pipi pendant une heure et demie dans un pot de fleurs. Je dirais que c'est le meilleur film du monde. Ce serait le film d'Alfonso Cuarón. Albator fait caca. Albatol. Oui, non, mais tu vois, moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que, voilà, si je me mets mon truc subjectif, non, c'est pas celui qui me. Tu vois, qui me touche plus, quoi. Non. Mais toi, t'aurais voulu une fille plus jeune, plus poumonée, enfin quelque chose. Je la trouve très jolie en plus, Sandra Bullock dans le film. Je la trouve assez charmante. C'est vrai qu'elle est assez classe, donc ça tu parlais de la proposition, tu vois, elle descendait au niveau de ses joues, là, il y a des trucs bizarres qui se passaient. Mais si tout est faux. Et, oui, mais voilà, tout est. Oui. C'est facile aussi. Un peu comme Cameron Diaz, il l'aurait fait en faux. Très déçu que George Clooney ait troqué le café contre la vodka. Oui, c'est vrai. Bon, c'est bien. Moi, ça. Mais d'ailleurs, la vodka, elle flotte pas. C'est vrai que je me suis posé une question. Mais non, ils ont une paille. Ah oui, en plus, elle est un peu givrée. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, elle est totalement givrée. Elle est dans la meilleure condition de dégustation.
Voilà. Très bien. Je sais pas si c'est la meilleure condition de passer par un petit bout en plastique, mais je ne sais pas. Ok, très bien. Eh bien, en tout cas, on espère. Température, que, je parle. Température. On espère que ce débat assez long vous a intéressé. C'est vrai qu'il était assez long. En plan séquence. Je pense qu'il. Oui, bah, c'est drôle. Enfin, en plan séquence. Je pense qu'il. Vous avez vu, la caméra, elle est restée statique. Ça, les réalisateurs. Ils le font plus, le statique. Alfonso. Oh, si, il y en a qui le font encore. Non, mais pas en plan séquence. En France, on en a encore pour 40. Non, on en revient à la base, au zoo. Au zoo, la base, oui. Pour fixe. En France, ils vont dire ah non, moi, Gravity, non, c'est pas trop, trop. Non, mais je veux dire, Gravity, il y a trop d'argent pour vraiment non, toucher. Ils ont toujours le Polanski qui se passe dans un théâtre. Mais ouais, peut-être. Château en Italie. Château en Italie. Pour aller à Bonnie Deleschi. Putain, déjà, rien que le nom était fort. Parce que, bon, bref. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites vraiment, réellement ce que vous en avez pensé. Hein. Ne soyez pas. Ne dites pas faussement, en gros. Non. Passez au travers du buzz. Voilà. Dites vraiment. Et les experts, les geeks, la technologique, dites-nous aussi un petit peu vos idées, parce que c'est une des premières fois qu'on est un peu largué technologiquement parlant. D'habitude, ça va. On sait à peu près comment on réalise un film. Mais là, il y a des fois où on se pose des questions. Donc, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Voilà. Ça fait avancer la vie. Donc portez-vous bien. À bientôt. Salut à tous. Allez voir Gravity. Pourquoi t'as réussi à faire ça un peu? Ah non, t'as fait ça. J'ai cru que t'avais fait ça genre, non, c'est le signe Gravity. Je fais comme ça, je dis au revoir.